Et il est extrêmement important que nous ayons avec nous un représentant du peuple polynésien qui vive réellement ce que représentent les essais nucléaires en France. Canopus, vous savez certainement ce que c'est. C'est le nom de la plus grosse bombe française jamais, 2 mégatonnes 6. Mais Canopus, je vous l'affirme, est aussi le nom de baptême chrétien catholique qu'on a osé donner à un enfant de mon pays. Ce n'est pas un scandale, c'est un génocide culturel. À côté de ce que Solange va nous expliquer tout à l'heure, le génocide du corps. L'historique de la résistance non violente au nucléaire se situe dans le temps en deux moments. Avant l'implantation du CEP et après l'implantation du CEP. Avant l'implantation du CEP, c'est là que j'ai placé personnellement mon action, tout à fait seul, tout à fait isolé. Et on peut dire que, à partir du moment où le grand Charles, vous savez de qui je parle, a décidé de transférer les expériences de Reagan, Algérie, vers la Polynésie, on peut dire qu'en matière de contestation, même de lever le petit doigt, dans le monde entier, c'est l'ensemble vide. C'est l'ensemble vide. On a vu, il n'y a pas longtemps, un Chinois face à un char. Que c'était puissant, ce petit Chinois, devant le char. Eh bien, malheureusement, le monde n'a pas vu un jeune Tahitien face à la France. Mais aujourd'hui, je suis face à la France. C'était moi, ce petit Tahitien, qui me suis trouvé directement impliqué au nucléaire. Pour comprendre les choses, il faut remonter un peu en 1958. Et vous allez comprendre comment que notre pays, notre chère France, a procédé aux choses. 1958, le grand Pouvan a celui que tous les Tahitiens considèrent comme leur père, comme leur métoua, comme le maître à contester, comme le maître en matière de liberté et contre l'oppression, c'est-à-dire Pouvan à Aopa, s'est eu tout d'un coup impliqué dans une histoire d'incendie et il a ramassé 8 ans de réclusion criminelle. Avec 15 ans d'exil, exit Pouvana de la scène politique et direction transfert sur Marseille, Valais-Beaumetz et bonjour le CEP, donc bonjour le Centre d'expérimentation du Pacifique et bonjour le CEA, le commissariat à l'énergie atomique. Nous sommes donc dans les années 1960. En 1962, j'étais à Païta. J'étais étudiant, je faisais ma philo, ma théologie. Et c'est là que j'ai appris que notre fameux grand Charles avait décidé de transférer les expériences en Polynésie. Et c'est là aussi que la première contestation, et je crois que c'est la première contestation, a eu lieu car j'ai fondé un petit journal qui s'appelait « Entre nous » que j'ai fait diffuser dans la brousse, comme on dit en Calédonie, où je suis resté 7 ans, que j'ai diffusé un tout petit peu à Tahiti parce que ce n'était pas tout à fait bien vu là-bas, et que j'ai beaucoup diffusé à Sydney. Ma première prise de position contre le nucléaire était dans les éditoriaux de ce petit journal. 2 ans plus tard, ce petit journal, dont le rédacteur en chef était mon frère, Jean-Marie Djibaou, que j'ai connu pendant 6 années, ce petit journal, eh bien, il a été saisi par le parquet de Nouméa, sans doute parce que Jean-Marie parlait trop de politique et de son pays. Les amis avec lesquels j'avais fondé ce journal avaient pour nom François Burke, que vous connaissez certainement, secrétaire de l'Union calédonienne et actuellement pièce maîtresse du FNKS, Jean-Marie Djibaou, Gérard Liman, actuellement évêque du Vanuatu indépendant, c'était un copain, on était ensemble à l'école, etc. Mesdames et messieurs, avec ces amis-là, c'est avec eux que j'ai découvert, et je rajoute une petite parenthèse, parce que Calédonie, c'est à 4000 km de Tahiti, c'est pas loin pour moi.
Eh bien, j'ouvre une parenthèse pour dire qu'avec ses amis, j'ai découvert l'abominable exploitation du peuple Kanak. Fermez la parenthèse et sans commentaire là-dessus. Je reviens sur notre fameuse bambinette. Deuxième intervention, c'est lorsque l'État a voulu exproprier les terres. Je reviens en Tahiti en 1963. Qu'est-ce que j'apprends? Eh bien, notre grand Charles, par l'intermédiaire de notre grand Charles, a décidé de choisir comme site de tir Fangataufa et Moruroa, et comme base avancée, eh bien, tout simplement l'île de Hau, exactement là où je suis né. Alors là, c'était la deuxième fois que ça commençait à bouger chez moi. J'ai profité des vacances et je suis parti dans les îles à Hau. J'ai fait une tournée dans les îles de un mois. J'ai parlé à tous les Pamoutous. J'ai même pris un tableau et je me vois toujours avec mes ancêtres, les vieillards qui avaient 60, 80, 90 ans, qui n'y comprenaient rien. Avec un tableau, bien, je me vois toujours en train d'expliquer ce que c'est l'uranium, que ma mère, je ne comprenais pas beaucoup d'ailleurs. Ils n'ont rien compris, mais il fallait quand même expliquer pour essayer de faire résister les gens. Eh bien, je n'ai pas pu. C'est l'argent qui compte. C'est l'argent, croyez-moi. C'est-à-dire que M. Jean Damery, qui était administrateur à l'époque, c'était un fin artisan de l'action psychologique. Même ma mère, j'ai appris qu'elle a été marraine de la fille de Jean Damery, de l'administrateur. Et tac, Étienne, ben, il a dans le baba, lui. Il aura un adversaire tout à fait naturel dans sa mère. Et c'est bien ce qui s'est passé. J'ai eu beaucoup de mal à parler aux gens parce que ma mère, eh bien, était tout simplement la marraine de la fille de l'administrateur de l'État. C'est vachement bien joué. 21 millions de francs qui ont été déversés dans une petite île de 400 habitants. 21 millions de francs comme ça, sans compter tout le reste. Ça s'appelle quoi ça? De l'overdose, hein, tout simplement. Je ne pense pas que vous soyez au courant de ces détails-là. Eh bien, je m'appesantis un peu là-dessus. Et le tribunal de Papeete a tout simplement sorti son jugement, déclarant les installations du CEP et du CEA à Hau comme d'utilité publique, donc expropriation des terres, qui sont soit à louer, soit à vendre. Tant que ça rapporte de l'argent et tant que ça fait fermer la bouche des gens, eh bien c'est tant mieux, ce sera l'action. Cela aussi est une forme de génocide. Ensuite, eh bien, il n'y a toujours plus rien. C'est toujours l'ensemble vide au niveau de la contestation. Plus encore, en 1964, on voit la commission permanente de l'Assemblée territoriale, des Tahitiens cette fois-ci, qui se mettent en commission et qui décident de faire tout simplement à l'État une donation de l'île de Moruroa. Ça aussi, vous ne savez pas. Les Tahitiens, même sous la pression de l'argent, on vous donnera beaucoup de subventions. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais on vous donnera tout simplement l'île de Moruroa. Cela veut dire qu'actuellement, et tant que durent les expériences, l'île de Moruroa est une propriété d'État. Attention donc, Greenpeace. Si vous y allez là, c'est la propriété de l'État. Même titre que le sol qui est là. Eh bien, après, toujours plus rien. Il faudra attendre bien plus bas. Il faudra attendre les années 70. Et moi, je suis déjà venu en France, alors, en 69. Moi, c'était fini. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus aucun espoir pour moi. J'ai fait mon travail. J'ai contesté. Et puis, j'ai placé mon action dans l'ombre. Je suis venu en France, donc en 1969, j'ai essayé de contacter les étudiants tahitiens pour essayer de parvenir à une action au niveau de l'individu. J'y crois beaucoup à cela. J'ai fait venir à la maison un tahitien qui était étudiant pendant 6 années, avec sa femme et ses enfants. Eh bien, ce garçon, il est retourné dans le pays, il s'appelle James Salmon. C'est actuellement le secrétaire de mon ami Oscar Temaru. Pour moi, ça fait un peu un petit baume au cœur
d'avoir réussi à animer, à donner une impulsion aux jeunes pour contester. Après l'implantation du CEP et du CEA, alors là, c'est le souffle de la contestation qui est arrivé. Alors là, personnellement, c'est pour moi un espoir qui est tout à fait fondé et aussi un message d'optimisme. En effet, on aurait pu croire que plus personne n'allait s'occuper du problème des Polynésiens. Et c'est justement le contraire. C'est justement le contraire qui s'est produit. Et on assiste à un certain nombre d'associations dont certainement vous faites partie et qui essayent ici et là, dans le Larzac et même à Paris, à essayer de contester. Je viens de faire la connaissance hier de mon ami Solange, que je ne connaissais pas. Je suis sorti de l'ombre et puis je reviens à la civilisation. Je retrouve une personne qui me parle de ceci, elle m'a complètement dépassé. Je trouve Marie-Pierre, c'est pareil. Je trouve Madame Richard Mollard aussi, qui est allée sur place. Elle m'a raconté des choses que j'ignorais totalement. Je ne savais pas que la France, je commence bien par mon pays, qui doit être la France, commence à agir. On n'est pas des milliers ici, on est à peine 100, 200. J'y crois à cela. J'y crois beaucoup, même si nous sommes 200, j'y crois. Ça n'est pas sur la masse que je compte, mais c'est sur la qualité du cœur. C'est là que les choses peuvent avancer. Au nom de mon pays, au nom d'Oscar Temaru que je représente ici, je tiens à remercier vous, mes frères et mes sœurs de France, pour l'action que vous avez déjà commencée sans moi. Je remercie les étrangers qui sont là aussi, de l'Allemagne qui sont arrivés, qui sont prêts à faire jeûne pour les Tahitiens. Au nom d'Oscar Temaru, je tiens à vous remercier de tout cœur. Des conversations très longues et très compliquées. Pendant ce temps, les essais nucléaires continuent et c'est un scandale absolument insoutenable. Alors, dans ce groupe de travail que nous avions prévu au printemps, devait parler Daniel Berrigan, prêtre jésuite, qui lui a entrepris, pas à cause de sa foi chrétienne, des actions non violentes contre ces moyens d'extermination de masse, dont l'archevêque Wundthausen a dit qu'il s'agissait de l'Auschwitz planétaire, de la solution finale. Je vous rappelle la parole d'Isidore Rabi, prix Nobel de physique, un grand physicien juif qui a perdu toute sa famille dans les camps de concentration, et qui disait « On a reproché aux Allemands d'assister sans rien dire au convoi qui conduisait les Juifs dans les camps de concentration ». Et maintenant, dans des démocraties, dans des pays libres, et pourtant les Allemands, ils se trouvaient dans ligne de mire des gens qui, de la répression du pouvoir hitlérien, donc ils ne pouvaient pas parler. Ici, nous sommes dans des démocraties, nous avons le droit de parole, nous avons le droit de nous réunir, nous avons le droit de publier des journaux, nous avons le droit d'élire des représentants démocratiquement, et nous ne faisons rien face à ces moyens d'extermination massive qui viennent chez les gens. Et par ceci, il voulait parler du déploiement d'armes de destruction de masse dans nos campagnes, au plateau d'Albion, d'installations à Tavernier, dans la banlieue parisienne, de centres de la force de frappe, des camps de cruise missiles à Greenham Common, au nord-ouest de Londres,
de la base de Mutlang avec des Pershing, des moyens d'extermination de masse qui viennent au milieu des gens. Et nous assistons à la venue de ces moyens d'extermination de masse parmi nous, en silence, alors que nous devrions crier. Et c'est pour ça qu'en ce moment, Daniel et Philippe Bellirgan n'ont pas pu venir parce que le juge de la Cour suprême des États-Unis a rejeté leur appel et ils se trouvent face à de 3 à 14 ans de prison pour avoir désarmé un missile Mark, c'est-à-dire qu'ils ont, avec un marteau, transformer les épées en socs de charrue selon le commandement du prophète. Et les amis qui sont là, je ne vais pas faire plus longtemps, j'aimerais que Yuta de Mutlangen vienne à côté de moi et Ronika de Greenham Common qui sont en Allemagne et en Angleterre, des non-violents qui s'engagent directement avec leur vie contre ces moyens d'extermination de masse. Yuta, et c'est avec elle et avec notre ami Étienne que tout à l'heure nous allons animer ce groupe de travail. Bonjour, je vais dire quelques mots sur notre carrefour tout à l'heure. Nous allons parler sur la violation des droits de l'homme et de la femme, assez concrète et assez visible par la bombe nucléaire. Et on va parler aussi sur la question qu'est-ce que cela veut dire pour un peuple, pour une société qui était responsable pour Auschwitz. Qu'est-ce que cela veut dire si on installe des missiles nucléaires qui peuvent tuer toute la Terre, toute l'humanité. On va parler aussi sur la résistance non violente en Allemagne de l'Ouest contre la bombe nucléaire. On a mis des photos d'une action non violente à l'entrée de la crypte. Et on va parler sur notre vie dans une petite communauté à côté de la base américaine à Mutlangen, sur notre vie non violente et sur nos actions. Et à la fin, on va parler un peu sur les projets futurs dans le mouvement de paix allemand. Et peut-être on va trouver quelques points communs pour travailler ensemble.